Si tu souhaites acheter des jeux pas très chers, je t'invite à cliquer sur mon lien d'affiliation directement sur Instant Gaming. Tu peux retrouver des jeux de ton choix, il y en a jusqu'à moins 70%. PC, PlayStation, Xbox, Switch, et tu peux même retrouver des cartes PSN, Xbox ou même des cartes Steam. Et tu peux même déjà précommander des jeux du style Battlefield 2042, FIFA 22, WRC10. N'hésitez pas, le site est très fiable et la livraison est immédiate. Et également, un concours a été lancé pour gagner le jeu de ton choix. Pour y participer, c'est très simple. T'as juste à sélectionner le jeu de ton choix. Et d'ici à la fin du mois, tu seras peut-être l'heureux gagnant du jeu que tu as choisi. Va savoir, alors participe. Et un grand merci à Instant Gaming pour leur confiance et on continue avec notre vidéo. Et abonne-toi. Toi qui fais partie des 50% à regarder mes vidéos mais ne pas être abonné à la chaîne, abonne-toi, je te vois. Toi aussi, je te vois. Toi, oh, qu'il est mignon ce petit chat. Mais je te vois quand même. Abonne-toi, sinon je Bah rien en fait. Mais abonne-toi. Et puis active la cloche de notification, c'est très important quand même. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa et aujourd'hui on va rouler sur un des anciens, bon qui est toujours actif mais qui date de plus de 70 ans, presque 70 ans, même si ça a été déjà fait par d'autres youtubeurs hein, que je vous invite à aller voir. On va rouler sur Spot de 1966, je vais y arriver avec les fins 2022, voir ce que ça donne les voitures récentes sur un ancien tracé. Bon, on l'a fait avec Monaco de 1900, je ne sais plus combien, c'était rigolo et très chiant à la fois. Avec les IA, hein. Bonsoir à tous les IA. Et là, on va se faire ça avec le circuit de Spa de 1966, avec les fins 2022. Je voulais faire ça sur un autre circuit, mais le circuit bug pas mal. Et je vous le dis pas, si j'arrive à trouver une nouvelle version, je la ferai. Pour vous donner une petite indice, le circuit fait plus de 60 km. Voilà, à vous de trouver. Si tu es nouveau et si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, de lâcher ton plus gros like, laisse-moi un commentaire. Et pour répondre au dernier quiz de la dernière vidéo, quelle est la dernière saison de F1 qui n'a pas vu le Grand Prix de Spa? Et c'était bien la saison 2006. Ah, ils ont fait la rénovation de la chicane de bus stop. Voilà. C'était tout bête en fait. Bon, j'ai pas d'autres quiz en tête, mais comme je roule avec les F1 2022, dites-moi quel est votre favori, qui va gagner le championnat F1 2022, parce qu'il y en a plein qui me posent ce genre de questions. Et j'épinglerai le commentaire le plus constructif possible pour la saison 2022. Moi, je ne dirai rien, parce que la saison n'a toujours pas commencé. Bien, allez, on est sur le circuit de Spa de 1966 avec la Mercedes entre guillemets de George Russell. C'est pas la livrée officielle hein, bien sûr. On va rouler avec plein d'autres petits copains qui sont ici. Je crois qu'on est 31 sur la piste. Donc pour vous dire, ça va être assez marrant. Bon, je vais pas vous faire le tour du tracé. On va se lancer directement pour une petite course avec les IA. Yes, on connaît bien les niveaux des IA. On adore, on adore. Vous adorez quand ils se crashent. Ouais, ouais, bah moi non. Bien, allez, on est parti pour une petite course de 3 tours sur le circuit de Spa de 1966. On part bien dernier, donc nous sommes 30e si je me trompe pas, avec la Mercedes de George Russell sur le tracé de Spa. Alors, un bon petit soleil qui est en train de nous taper sur le réveillon. Allez, les feux qui s'allument ici sur le circuit de Spa de 1966 avec la Mercedes de Lewis Hamilton. Non, de George Russell, le départ qui a été donné. On va y aller tranquillement parce que en connaissant l'IA, voilà. Alors oui, par contre, la ligne de départ se faisait là. Je crois que c'était en ligne de 3, 2, 3, 2. Si je me trompe pas, hein, rattrapez-moi si je me trompe. Allez, on passe déjà le rayon où personne ne s'est crashé. C'est un miracle, c'est de toute beauté. Bravo, bravo les IA, je suis fier de vous. Donc, le bouton DRS est fonctionnel, on voit rien. On peut y aller plein de balles. On ouvre le DRS parce qu'on peut y aller avec le DRS ouvert sur tout le long du tracé. Nous sommes toujours derniers, c'est pas trop grave. Avec le DRS ouvert, ah, il y a Scott qui a déjà abandonné. Ah, coup dur pour Scott. Ok, c'est en train de ralentir devant. Loula. Oh, c'est parti en drift. C'est parti en drift. Bon, reviens pas dessus, si, nickel. Ok, allez, on va commencer à les doubler. On a doublé une voiture, on a doublé deux voitures. Obligé de lever le pied sur... Pardon, le collègue. Ok, très bien. On va ouvrir le... Oh, Lewis Hamilton. Salut, Lewis. Ça va ou quoi, frérot? Allez, c'est pas mal, hein. Par contre, moi, j'aime bien... A few moments later. Bon, s'il vous plaît, faites que l'IA passe tranquillement le rayon. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, ça fait combien de fois que je relance la session? Ça fait, sans mentir, une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Et là, blastement, qui a plus de... problème. Putain, mais pourquoi? Pourquoi ils sont tous aussi... Mais pourquoi ils sont tous aussi nuls? Pourquoi l'IA est-il nul? Ah, c'est bon, je m'en fous. J'y vais, plein de balles, hein. Oh là là, mais c'est quand même grave, c'est quand même grave. Même l'IA de F1 2021 est mieux codé que sur Assetto Corsa, c'est quand même grave.
c'est quand même grave. Allez, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, on y va, pleine balle. On y va sur le tracé du circuit de Spa de 1966. Hein, l'ancien tracé, bien évidemment. Hein, il a beaucoup, beaucoup changé. Hein, on connaît à l'heure actuelle, maintenant, comme on vient de passer. On reconnaît juste la ligne droite des stands, le rayon qui a énormément changé, la ligne droite de Kemmel et c'est tout. Et après on verra tout à l'heure l'autre ligne droite des stands qu'on connaît actuellement avant le gros freinage, le seul gros freinage du tracé avant de passer le premier virage de la source. Sauf que à l'ancienne c'était pas le premier virage, hein. La source c'était le premier virage, c'était le rouge et le rayon. Allez, on commence à revenir. J'ai baissé l'appui pour avoir un peu plus de vitesse de pointe avec le DRS ouvert. On commence à revenir sur le collègue qui est devant. Je sais pas qui c'est, d'ailleurs. On voit pas les noms, c'est dommage. C'est qui? Ah, c'est Hamilton! Salut, collègue! Au revoir, collègue. Bon, bah, George Russell is faster than you. Oh, ça va être beau. Ça va être tellement drôle l'année prochaine, je vous jure. Oh là, j'avais laissé le DRS ouvert. Oh là là, la stupidité. La stupidité sans nom du pilote français. C'est terrible. Terribles images. Allez, on revient encore. On est 24ème hein, sur 31. Du coup, on va essayer de viser un top 15. C'est possible. Je vise pas la victoire. Hein. C'est chose, on va dire, improbable et impossible à faire sur ce tracé. Puisque il n'y a jamais de zone de freinage où on peut faire des gros dépassements sur les autres. Mais avec le DRS ouvert et l'aspiration, c'est déjà pas mal. Hein. Regardez comment on revient. Hop, une pépé. C'est quoi devant une je sais pas quoi. Ça va, on est 20ème. Alors peut-être que avec un peu de chance, on peut faire top 10. On peut faire top 10. Oh la vache, par contre, ce tracé, il y avait aucune. Merde. Pardon. Il n'y avait pas de sécurité. Donc lui, il a de la chance. Il y avait un peu de sécurité. Il y avait le mur en béton. Ouais, bah cette allure-là, le pilote serait déjà à l'hôpital hein, à l'heure actuelle. Allez, le seul gros freinage du tracé avant de passer le virage de la source. Voilà, c'est fait. Alors, c'était sûr que l'IA allait être codé du genre vraiment stupide. Ils ont tous vu leur mère... Oh la vache. Ils ont tous vu leur mère dans les gradins. Du coup, ils ont essayé de tourner à gauche dans les gradins. Je sais pas pourquoi. Allez, on passe le rouge et le rayon. Oh la vache. Oh, le spin. Oh, le spin, non, me fonce pas dessus, j'ai eu de la chance. Ok, donc nous sommes... Ah bah, nous sommes top 10. Nous sommes dans le top 10, on est 9ème. Très bien. Peut-être 8ème. Alors, est-ce que... Oui, je tente l'extérieur, ici. C'est dangereux, c'est très dangereux. Oh, c'est très dangereux. Oh, ok. Ok, why not. Il a quand même essayé, hein. Ah bah, hey, respect à toi, mon gros. Hein. Respect, Lia, t'as essayé. Mais t'as fini dans le décor. Mais il roule toujours, hein. On voit toujours la minimap, hein. C'est déjà pas mal. Que pied au plancher hein, sur ce tracé, avec ces voitures modernes, forcément. Ici, avant, il y avait une chicane à l'époque pour casser la vitesse. Là, on passe pas par la chicane, on tourne directement à droite. Il y en a plein qui abandonnent, forcément, après ce qui s'est passé à la sortie de la source. Donc je disais, il y avait vraiment aucune sécurité. Hein. Là, en 1966, à part des maisons, quelques grillages, un peu de foin sur le côté... Des poteaux électriques. Ah, l'erreur était vraiment fatale. Hein. Ah, pour ôter la vie des gens, une erreur. Eh bah, ben, c'est fini. Hein. Là, pour une fois, on dit pas, oh, c'était mieux avant. Ah, encore le spectacle à l'époque, c'était mieux avant. Je dis pas. Mais là, pour niveau sécurité, là, on est bien. Hein. Et par contre, là, le point faible de ce tracé, enfin, pas de ce tracé, mais du moins de cette voiture actuelle, c'est que ce n'est pas un moteur V8, ni V6, ni V12, sa mère de la mort qui tue. C'était pas des moteurs atmosphériques. Là, actuellement, le moteur V6 ne fait que gueuler. Le MGUK, heureusement qu'il n'y a pas les dégâts réalistes. Parce que le MGUK, il n'y en a plus. Le MGUH, il n'y en a plus. Le turbo, il n'y en a plus. L'électronique de commande, il n'y en a plus. Le moteur, bah, il n'y en a plus. Mais bon, c'était mieux avant les moteurs. Maintenant, ils nous ont mis des moteurs V6 turbo. Attention, le gros freinage tardif sur l'Alpha Tauri. De qui? De Tsunoda? Gasly? Oh, c'est Gasly. Ah, il s'est mangé un peu à le mur, hein, Gasly. Bon bah voilà, hein. Il est resté aussi. Mais pourquoi? Oh le collègue. On va pas tenter un dépassement à le rouge. Nous sommes dans le dernier tour. On va suivre le pilote qui est devant nous, histoire de prendre le top 6. Le 5ème début, il est au loin. Donc en vrai, le top 5, c'est pas mal.
à recommencer une bonne dizaine de fois la session parce que l'IA ne savait pas prendre le raidillon. C'est quand même assez grave. Aïe, aïe, là, je vous jure, j'ai tourné. Vous pouvez m'insulter, hein. Vous pouvez m'insulter de débile, de tout ce que vous voulez. Je suis vraiment le roi des cons. Il n'y a pas plus con que moi. C'est grave. Faut pas regarder à un autre endroit alors que tu roules à plus de 300 km à l'heure sur une piste. C'est quand même grave. Oh là là, c'est comme le téléphone portable au volant, hein. Toujours le derrière ouvert en plein virage. C'était très dangereux. Ah, je suis obligé de le fermer là. C'était un virage un peu plus serré que le précédent. Là aussi, je serais obligé de le fermer parce que le virage est un peu plus serré, un peu plus long que le précédent. Allez, on revient. L'aspiration qui ne fait pas son effet pour l'instant puisqu'on est encore beaucoup trop loin de la voiture jaune poussin. Je crois qu'elle est jaune. Ou alors, ça se trouve, elle est verte plus haut. On va pas voir. Ok. Là, faut fermer le DRS parce que le virage est assez long à gauche. Ok, on ouvre un peu pour avoir un peu plus de... C'est bon, j'allais. Ok. Le premier, il a fini la course. Ok, c'est pas fini. Le dernier freinage, c'est ce qui compte. Bonsoir, je me laisse la place. Oh l'enfoiré, il a une meilleure accès. M'en fous, j'ai fini 8ème. Enfin, on en a fini avec cette vidéo. J'espère quand même, elle vous aura plu. Moi, je suis mort, je suis lessivé. Oh putain, 1h30 pour faire 3 tours du circuit de Spa de 1966. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai tournée, hein, juste pour faire 3 tours de piste. C'est dingue. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Alors faites-le moi savoir, lâchez votre plus gros like, laissez-moi un commentaire et puis abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, c'est gratuit. Ça mange pas de pain, tout le monde peut en profiter. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou même Twitch. Les liens sont dans la description. Je suis fatigué de rouler avec Cizia. Sur ce, moi je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis on se dit... au revoir.